Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le carnet, le livre nuancier que j'ai acheté pour pouvoir faire mon nuancier de tous mes crayons et feutres. Voilà, donc c'est celui-ci, le Color Chartre. Bon, il est tout simple, hein, celui-là. Je me suis pas cassé la tête parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, qui a un peu de tralala dedans et tout. J'ai dit, c'est pas la peine. Donc, je me suis pris celui-ci. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Alors, il y a toujours du noir derrière chaque page. Et voilà. Votre page de nuancier, vous voyez, est vraiment très simple, des carrés. Une ligne pour marquer le numéro, les noms des crayons. En haut, vous marquez la marque des crayons. Voilà, bon, il marque ça, thème, médium. Médium. Je pense que ça, pour médium, ça doit sûrement dire pour à l'huile ou en cire ou pour les crayons, je pense. Enfin, je ne sais pas trop. Mais enfin, moi, je mets la marque. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et donc, dedans, il y a 50 pages, si je ne me trompe pas. Bon, elles ne sont pas numérotées. Mais je crois que c'est ça. Ça doit être 50 pages. Alors, je cherche... Oui, ça doit être, c'est ça, je crois, 50 pages. Il n'est pas cher du tout. Hein, il est dans les 5,90 €, comme ça. Alors, au niveau papier, il est pas mal pour faire vos nuanciers, même en feutre. Donc, bon, même en feutre, mais moi, je mets quand même une petite page en cardstock derrière. Ça, malgré qu'il y ait une page noire derrière, ça évite quand même les petits soucis. Et donc, en vous montrant ce nuancier, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai commencé à faire mon nuancier. Alors, je vous montre, voilà, il n'est pas fini, hein, vous voyez bien, avec les aquamarqueurs. J'ai remarqué une chose en le faisant, je n'avais pas fait gaffe avant. Les aquamarqueurs, alors, je vais vous montrer. Hop, poser ça, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Cela, il y a cela. On va essayer de plus les faire tomber, hein, comme l'autre jour. Excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Hop. Et je me recentre. Donc, ça, vous vous rappelez, ce sont les derniers que j'ai achetés. Donc, je vous remontre une pointe. Ça va être la pointe brush qui va nous intéresser. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les nouveaux, les derniers. Et avant, j'avais acheté ceci. Voilà. Donc, c'était des par 6 en boîte de plastique, comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à faire mon nuancier cet après-midi, donc avec les roses et les roses là, quand j'ai commencé à vouloir faire mon nuancier, j'ai dit mince, il y a un truc qui ne va pas. C'est le brush. Ce n'est pas la même chose déjà. Vous voyez, hop, ça floute. Voilà, je vous remontre l'autre. Alors, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, voilà les deux points de brush. Les nouveaux ont une pointe plus petite et plus fine.
Et les autres, dans les boîtes en plastique, ont une pointe beaucoup plus grosse et plus grande. Donc voilà. Bon, c'est pas un problème en soi. Je ne trouve pas de bouchon. C'est pas un gros problème en soi. C'est que j'ai remarqué ça. Mais alors, je vais vous montrer au niveau de l'écriture. Alors, là, le premier, là, c'est les anciens. Je vais vous montrer, hein. Le deuxième. Il n'y a pas une grande différence, mais on voit un petit peu que c'est un peu plus petit. Le deuxième, c'est le nouveau. Voyez, et là, quand on fait le premier, on sent que la pointe broche est beaucoup plus molle. Voilà. Donc voilà, la première chose qui change sur les aquamarqueurs. Deuxième chose que j'ai remarqué. Alors, attendez que je me trompe pas. Je sais plus savoir c'est quel le vrai. Non, c'est celui-là. Voilà, puisque je ne peux pas les mélanger. J'ai quelques petits doublons, mais presque rien. J'ai un doublon. Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'espère que je vais réussir. Alors, j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Alors, ça va être le 81 avec une étoile et le 81 sans étoile. Alors, est-ce que vous voyez les deux? Ouais. Vous voyez, alors celui-là et celui-là, vous voyez? Donc, c'est exactement la même référence et le même nom de feutre, mais c'est pas la même couleur. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est l'ancien modèle. Et là, c'est le nouveau. Voilà. Et là, je m'en suis aperçue. Ben, après, j'avais déjà mis dans mon carnet. Et je dis, ben, mince, j'ai mis un doublon. Pourquoi je l'ai remis en deux fois? Puis après, je regarde, je dis, mince, c'est pas la même couleur. Donc les doublons, je vais quand même les mettre dedans. Je vais vérifier avant la couleur et je vais quand même les mettre dedans parce que les doublons n'ont pas la même couleur que les nouveaux. Donc les anciens et les nouveaux n'ont pas la même couleur alors qu'ils ont la même référence. Donc voilà. Je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous l'avez remarqué. Mais voilà. Donc du coup, je suis contente d'avoir eu mon nuancier. Parce que bah, du coup, bon, là j'avais commencé, mais je vais le terminer à bien noter tous mes feutres. Et il va falloir que je fais aussi avec mes feutres à alcool. Mais alors, le problème avec mes feutres à alcool, c'est que j'ai les boîtes de 12, les anciens, les premiers anciens, les anciens, et là j'ai mon. J'ai le, comment on dit, je sais pas si je vous l'ai présenté, que j'ai été chercher cette semaine. Alors, je vais vous montrer. Je rangerai ça après. Je repousse la caméra, désolé. Le bureau commence à être encombré. Voilà, hop, hop, hop. Donc, je sais plus si je vous les avais montrés. Et donc, j'ai les tout nouveaux. Et donc, si j'ai le même tour que les aquamarqueurs, à voir, si j'ai des doublons avec les boîtes comme ceci, voilà, avec ces boîtes-là, si j'ai peut-être des doublons, je n'ai pas encore vérifié, il va falloir que je vérifie les couleurs parce que peut-être que ce ne sera pas les mêmes non plus. Donc, voilà. Donc, faites attention à ça.
Parce que juste, du coup, si vous avez des doublons, vous allez dire, ben, mince, j'ai fini un FUD, bon, ben, je vais reprendre le doublon que j'avais. Et puis, ben non, c'est pas la même couleur. Voilà. Et là, par contre, je vois que j'ai un doublon. Ah non, c'est pas un doublon, non. C'est CG9 et CG8. Ouf, super. Voilà. Donc là, il faut que je fasse tout cela et les autres. Donc ça va me prendre un temps fou. Et bon, les feutres alcool, je les ferai à la fin. Voilà. Ça, je les finirai demain. Excusez-moi, je rebouge encore la caméra. C'est parce que je veux ranger en même temps pour que j'ai de la place pour continuer à vous parler. Voilà. Et je vais profiter pour vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui à Action. Alors, j'avais été pour retrouver une boîte d'aquamarqueurs parce que Chouchou en voulait une. Et puis bon, là, après, du coup, comme je vais acheter des autres feutres, les Faber-Castell que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, il a dit, bon non, ben, les aquamarqueurs, il les veut plus. Action, ils ont ressorti leur gel pen comme ceci. Alors, je vais les ouvrir pour vous les montrer. Donc, ils avaient déjà sorti hein, ça. Alors, bien sûr, c'est collé. Voilà. Donc voilà ce que, alors je vais tenir parce que je sais que ça va tomber. Voilà. Et alors. Alors par contre, le rangement est pas tip top. Ouais, le rangement est pas tip top. Parce que bon. Ouais. Parce que pour avoir la deuxième rangée, il faut que j'enlève le stylo. Ouais. Voilà, je vous montre. Vous voyez, il y a une deuxième rangée de stylo. Là. Et donc, pour avoir la deuxième rangée, il faut que j'enlève les premiers stylos. Alors ça, c'est pas tip top comme rangement. Donc, si je veux, par exemple, le stylo qui est là derrière, bah, il faut que j'enlève le premier. Hop. Pour aller chercher l'autre derrière. Et c'est compliqué pour aller chercher. Voilà, voyez. Là, j'aurais pu faire autre chose. Ça, c'est vraiment pas l'idéal. Bon. Enfin, on va pas trop demander, hein, Action. Voilà. Donc là, il y a. Est-ce que c'est marqué? Non. Je sais qu'il y a des. Alors, il y a des fluos, il y a des pastels, il y a des pailletés, il y a des métalliques. Il y a quoi encore? Il y a des normaux, je crois. C'est ça, vous voyez, on ne les voit pas bien. Ouais, il y a des fluos. Je crois qu'il y a des. Il y en a aussi qui changent de couleur. Oui, il y a des normaux. Voilà. Donc, alors, le truc qui va pas, c'est ça. C'est le rangement. Mais là, voilà le canapé. Il est pleuré. niveau rangement, ça, c'est pas top. Mais bon, tant pis. Donc, voilà. Alors, ça, c'était dans les 4,45 € ou 95 €. Voilà. C'est moins de 5 €. Donc ça, je t'ai cherché ce matin. Alors, il en voulait... je sais qu'il en voulait une boîte de réserve pour ceux qu'il a déjà, pour quand ils n'iront plus. Donc j'en ai pris une boîte, mais je m'en suis pris une boîte pour moi aussi. Voilà. Mais j'aime pas la façon dont ils les ont mis. Donc voilà. Hop, je
je range, je range, je range. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc le carnet nuancier, et vous parler de ce petit truc que j'avais vu donc sur les aquamarqueurs qui me chiffonnait un peu, qui n'est pas grave, mais qui me chiffonnait un peu quand même. Voilà, donc si vous faites un nuancier ou si vous n'en faites pas et que vous servez vos aquamarqueurs, et vous avez les nouveaux et les anciens, faites attention. Quand vous avez les doublons, faites attention parce que ce ne sera pas la même couleur, même si c'est le même numéro. Voilà. Allez, j'espère avoir été claire dans toutes mes petites explications. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si vous avez des questions complémentaires, justement sur ce que je viens d'expliquer dans la vidéo, n'hésitez pas en dessous de la vidéo en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.